formation Icon. Figalius pour brancher. Libanon contre Bonne. Pagé bon tout le brancher. Si ma bouille t'a fait pas en bas sous l'Iwa, je veux tout à clé. Pagé ni dé, pagé ni trois, yon Green Chanel lié frais. Ou baiser contre Zik dans le ghetto. Haïti viral news. Vrai visage, messier agression. Haïti viral news. C'est faux, je nouvelle, yon porté mes manifestations. Ou oui, ou bien intérêt abonné. Ou contre politique Haïti. Yon dit l'autre abonné. Haïti viral news. Ou bien intérêt partagé. Haïti viral news. Chanel ça pas non pour ce côté. Haïti viral news. Abonné le partagé. Haïti viral news. Yon dit l'autre abonné. Haïti viral news. Ou bien intérêt partagé. Haïti viral news. Chanel ça pas non pour ce côté. Haïti viral news. Abonné le partagé. Même bien avec tout l'autre monde qui a dit n'importe quoi ou bien qui a pointé du doigt ou qui a identifié monde ou groupe monde qui tué Jovenel Moïse là. Gagné des monde déjà. Des gens qui ont donné des résultats de l'enquête. Soit pour protéger Campayo, camp politique, ou cas économique, soit pour accuser quand qui en face là, qui a un camp politique ou bien un camp économique. Dans la foulée, inconnu, ça veut dire des mondes que le monde va arriver à identifier, ils ont envahi les réseaux sociaux. En pile, ils ont profité de disparition subite et brutale de Jovenel Moïse pour régler compte avec soit PHTK ou bien avec l'opposition. Ou du moins, il y a des nègres qui carrément identifié oligarque. Il faut dire, les mounions identifiés oligarques, cette minorité cupide et égoïste, mais tout le monde sait dans ce pays que Jovenel menait une bataille à bâton rompu contre ces gens. Chaque minute qui a passé, une information qui arrivait sur la mort de Jovenel Moïse. Et information qui arrivait à lui pousser l'autre information. C'est comme si chaque jour, une nouvelle y a bail. Et nouvelle ça, mon pas jamais arrivé, mettait tout comme un puzzle pour monter une véritable, pour mettre sur une table pour garder pour eux de manière scientifique qui s'est arrivé. Il y a des forums anti-Jovenel que il y a des monde qui battent la grosse caisse autour de la mort de Jovenel Moïse. M'a suivi, m'a gardé. Il y a des personnalités connues. Au lieu de disons, personnalités connues, ça veut dire des nègres, des intellectuels respectés, respectables dans ce pays, au lieu que vous dénoncez drame national, ça, vous préférez dire plutôt dans des textes qui publient sous réseau, Jovenel, t'es mérité ça. C'est ça qu'il écrit, c'est ça qu'il dit. Quelle honte pour nous-mêmes peuple haïtien. Aïe, et face à la situation, ça m'a obligé, je dis à fond citation. Même si on moun t'es raï Jovenel, même si t'es en opposition par rapport à Jovenel, ou pas t'as qu'à content leur grand chef l'État. Des mercenaires rentrés, ils ont torturé, ils ont tué, et puis ou Dieu ou content. Donc, je voulais utiliser la parole d'un grand écrivain dit, la haine donne une raison de vivre. Mais sachez bien, si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? Et proverbe ça, gagner un chef spirituel, religieux, qui te reprenne, il y aurait l'île Bunda. Donc,
faute d'indices, faute d'institutions appropriées, spécialisées, faute de compétences dans le domaine d'enquête, dans le domaine d'enquête criminelle, nous nous accrochons aux informations diffusées par les médias internationaux. Mais Walter, nous, Nixon, nous obligés, c'est ça international là, à dire et que nous suivons. Évidemment, à raison, puisque dans ce pays, on fait confiance à CNN, Fox, France 24, TF1, RFI, New York Times, etc., BFM TV. Malgré les efforts visibles de certains journalistes haïtiens, des journalistes professionnels, la polarisation est tellement vivante, tout le monde se confie à journalistes étrangers. Et c'est dans cette grande confusion, dans cette situation de non-confiance aux journalistes haïtiens, que j'ai moi-même commencé l'enquête sur l'assassinat bizarre de Jovenel Moïse, avec comme objectif non pas de trouver tout de suite moi-même les coupables, mais au moins pour qu'un média haïtien qui pourrait marquer une certaine différence, ça t'a permettre nous imposer nous comme médias sérieux au niveau international et expliquer avec clarté ce qui s'est passé réellement dans cette affaire. Et ce qui est clair, c'est qu'après l'acte 1, beaucoup de journalistes étrangers sont venus dans ce groupe et les sont venus dans ce groupe, ils sont venus chercher information qui ont rapport à l'acte 1 samedi dernier. Dans ce sens, j'ai pris du temps pour préparer l'acte 1 de cette série. Et pour les gens qui ne suivent pas l'émission à lundi 26, et en pile moun relèm, même si en pile moun ka regardé sur réseau, sur YouTube, et ça Walter, avec Facebook, moun tellement relèm, yo mandé m'gari di, faut y résumer pour yo. Et m'obliger, avant de commencer l'acte 2, de faire un résumé rapide, hein, de l'essentiel de l'acte 1. Donc, le 7 juillet, à 1h34, le président Jovenel Moïse tendait des coups de feu, des tirs nourris, tout près de la Kaeli. Et le relais coordonnateur en sécurité par les nationales là, qui c'est la guerre gens civils, pour le dire que la guerre en danger vient sauver me voyer en foi. À 1h37, je donne 9 heures, civils, les civils, pas joindre chef équipe là, civils relais assistant chef équipe là, dans le palais national, qui c'est M. Becker Stéphane. Li joignent ni nos téléphones et civil dit Becker dégageo voye moun nan base Jomo parce que gen problème nan base Jomo. À 1h46, civil relève Dimitri pour vérifier si Dimitri nan route et Dimitri confirme à civil nan téléphone que nan route l'a monté. À 1h47, civil joint commandant 4 timna qui c'est Paul Edi Amazon. Edi, gen problème. Edi dit moins au courant, moins en route, m'a monté pèlerin 5. À 1h50, civil relève directeur général Léon Charles pour l'informer de situation. Et Léon Charles dit civil li au courant président relève. À 1h52, civil quittait la Kaeli, qui c'est Thomas 37,
lui récupérer le chauffeur sur la route là, et à 2h15, 2h18, civil t'es déjà trouvé dans l'entrée Pèlerin 5 là. Président Jovenel toujours en difficulté. Haïti débat. Il continue relais. C'est ainsi, à 1h45, Jovenel relais Dimitri Erard. Il dit Dimitri, viens sauver. Dimitri, pas oublié, non? Président relais civil et président relais Dimitri. Et comme nous connaissons, Dimitri déplacé pour le river car président. Et c'est pendant la route, le river Pèlerin 3, il y a une machine qui est venue et c'est Vladimir Parizon qui était dans la machine. Nan. Et Vladimir était déplacé lui-même, il a fait résumé pour nous, parce que Vladimir était recevoir un coup de fil de Léon Charles, ok? Et Vladimir était recevoir un coup de fil de président de la République là. Et Vladimir montait, il quittait tout ça, il a fait rapidement le monter. Dans la nuit, il fait route Pèlerin et c'est là le croisé avec Dimitri dans Pèlerin 3. Deux nègres, ils parlaient et ils ont dit qu'ils parlaient dans Pèlerin 5. Et là où ils venaient dans Pèlerin 5, ils ont une équipe nègre lourdement armée qui a sorti dans la cour caille président. Ok? Et Nego dit, opération DEA, get back. Opération DIE, fait back. Et véhicule, Nego te monté pour entrer, car le président. Yo wè une équipe nègre lourdement armée cap sorti dans la cour caille président. OK? Et nègre dit opération. Ben, li quitte tout sa maison pour un chauffeur Martin nan, yo mette Martin ak de timoun yo nan yon machine et yo fon cortège, ok, pour yo mene Martin l'hôpital. Entre temps, le paraison fin bay Léon Charles nouvelle là, Léon Charles ordonné à policier yo pour barrer route Bokinam. Kounia, moi toujours à expliquer nous, dernière partie dans acte 1 pour nous bien comprendre. Et Colombien continue à descendre. Pendant ce temps, pas oublier, Dimitri Erard lui-même l'a descendre tout. Mais Colombien a descendre doucement. Et Dimitri Erard descend, filet descend. Avec dit de Pèlerin 5, l'a descendre sous Pétionville. Avec troupes IRGPN qui t'a retrouvé lui. Et sur route là, Dimitri Erard mettait trois policiers cachés dans le bois pour que ça soit capable de balle information. Sous n'est capable de pas oublier, il fait noir. Nous comprenons plus devant pour qu'il salte la guerre. Parce que nous allons parler de ça un peu plus tard dans l'acte 2. Et quand nous connaissons, résidence président saccagé et civil rivé lui-même, lui mandé policier au sac passé, il répond commandant, nous pas de café rien, et civil mandé yo, monsieur m'pas comprendre, pas gon balle qui tiré, pas gen personne qui blessé, nous te de gen moun nan
tourner l'entrée dans Pèlerin 5 là, li joine policier au maré et li joine deux autres nèg USP, il mandé nèg USP accompagner et c'est le ça l'entrée caï président, li wè Martine en terre ben ensemble et li dit Martine, li dit première et Martine parle avec et le ça petit président entré dans chambre là et par raison suivre petit là et au découvrir cadavre président. Et le paraison découvrir cadavre là, paraison relé Léon Charles pour le bal nouvelle là. Et nouvelle là, nous accueillons avec désespoir. En pile Néo t'a crié. Et c'était de la panique. Mais il faut me rappeler nous que le yo bal Léon nouvelle là, Léon était bon commissariat Pétionville là. Par la suite, il y a un chauffeur Martine qui vient arriver, ben, par raison, prend chauffeur Martine, il met Martine avec deux timounio dans une machine et au fond cortège, ok, pour y mener Martine à l'hôpital. Entre temps, le par raison, fin bail, Léon Charles nouvelle là, Léon Charles ordonné à policiers pour barrer route Bokinam. Kounia, moi toujours à expliquer nous dernière partie dans acte 1 pour nous bien comprendre. Et Colombiao continue à descendre. Pendant ce temps, pas oublier Dimitri Hera lui-même l'a descendre tout. Mais Colombiao a descendre doucement et Dimitri Hera descend filet descendre. Avait dit de Pèlerin 5, la descente sous Pétionville. Avec troupes IRGPN qui étaient retrouvés lieu. Et sous route là, Dimitri Hera mettait trois policiers cachés dans le bois pour que ça soit capable de balle information. Sous ne cap descend pas oublier, il fait noir. N'a comprendre plus devant pour qu'il salte la guerre. Parce que nous allons parler de ça un peu plus tard dans l'acte 2. Et, quand on connaît, résidence président saccagé, et civil rivé lui-même, lui demande des policiers au sac passé, ils répondent, commandant, nous pas de café, rien, et civil demande, monsieur, je ne comprends pas, pas de balle qui tire, pas de personne qui blessé. Nous te donné un monde dans nous mourir parce que ça dit tout comment faire nous pas gagner et puis président mourir. OK. Par la suite, Dimitri va venir arriver et monsieur a regardé cartouche li ouais négocié utilisé à c'est calibre 5.56, c'est-à-dire c'est des nègres qui étaient bien équipés. Donc, c'est résumé acte 1. Maintenant, l'acte 2, qu'on y a ma prend, acte 2 à pour nous. Haïti débat. Les Colombiens assassins, tueurs à gaz. Ils ont continué à descendre. Sous route principale là. Et ils ont toujours pointé zami en direction de machines USGPN. Ils ont descendre pour arriver à Bokinam. Non? Et. Dans un gros haut-parleur, ils ont dit fais back, opération d'hier, fais back, opération d'hier. Ce que je ne vous avais pas dit dans l'acte 1, de la première considération, il faut noter que Paraison et Dimitri, ils ont ravisseur depuis Pèlerin 5. En plus, mon pensée, que vous devez commencer à engager la bataille là depuis Pèlerin 5. Puisque là, vous êtes arrivé à Pèlerin 5 là, vous êtes dans la paraison devant, vous avez trois pick-up USGPN qui chargent les armées, Dimitri Hera là, vous avez pensé que vous avez goûté. Mais pour qui ça ou pas de goûté? Quittez-moi pour la question ça. Dans le cadre d'enquête que vous menez. Walter, est-ce que nous là? Parce que nous pensons fort des goumets. Mais il y a des gens qui disent, ils ne comprennent pas.
Haïti débat. Nèg yo di, yo pa konn combien Colombiens, combien étrangers, combien moun qui était là. Seulement un paquet nèg azam, nan men pointe sou yo et gros azam. Yo pa konn combien yo ye. Donc, yo pa ka engager en bataille sans que yo pa gen évaluation. Deux, comme nèg yo ap di diye, yo pa konn ki moun yo te. Puisque nan haut parleur a dit faire bac, c'est Diye qui a fait opération. Trois, yo pa connaît qui véritable mission nego te gagne. Quatre, ni par raison, ni Dimitri, ni nèg USPN yo pensé que président nan machine. Donc, yo pa voulu entamer une bataille pour même pas tout tuer président. 5. Faut que nous connaissions, Walter, ça c'est pour eux, à Nixon. Des jurisprudences n'ont fait blanc, vint pour un monde, dit qu'il vint pour un monde en Haïti. Toute la journée, dit qu'il vint pour opération, vint pour un monde. Et nous songeons, blanc, te font coup d'état soir ici, te prends ici, la lavelle. Donc, tout ça possible, les nègres disent blanc. Et nous connaissons haïtien père blanc. Depuis on dit blanc, tout nèg peur, nèg paniqué. Depuis on dit blanc, tout nèg peur. Et c'est ça que fait, nèg yo dit, fait bac. Et pas aucun haïtien qui a tiré sur Diye. Depuis ça, on dit Diye, tout le monde plie le cœur. Et surtout, yo connaît dans le pays ça, grand pile nèg au pouvoir, et drogue dealer. Je ne dis pas que du Jovenel était un drogue dealer, ok? Mais on connaît, depuis on dit Diye. Ouais, n'est-ce pas de mettre des amnes. Ouais, on dit Diye par les nationales, pas qu'on n'est pas les cap font balle. Donc, le coup n'y a, civil, relé, Dimitri Era, Dimitri Era, qui situation ça qui est là? Et puis Dimitri a dit, commandant, Nego dit, commandant Dimitri qui dit à civil dans le téléphone, Nego dit, civil répond, monsieur, qui a fait dire au vin palem là, son président de la République, barré Nego. Dans la tête tout policier, qui était sur route là, qui a descendu jusqu'à ce que Vakinam, il connaît son coup d'État. Il connaît le président enlevé, il connaît le président de la machine qui a descendu. Ça, c'est réflexion que nous fait au même. Qu'on y a comme c'est ça, il y a une tête, il y a dit, ou bien, il n'y a pas le président de l'ambassade américaine. Ou bien il a fait route aéroport Avel, ou encore il a mené président dans le palais national. Mais pas oublier, ça m'a expliqué nous, hein, et ça que fait expliquer nous, nouvelle mort pour qu'on arrive à joindre nèg sa yo qui sur route palais. Hein. Et Dimitri, qu'a qu'on est qui quantité nèg qui sous route la cap descend. Comme nèg yo a trois possibilités, un soit on va l'ambassade américaine avec, deux yo pas avec aéroport pour yo capable à annexer le président, ou du moins yo pas dans palais national avec. Dans trois cas, nous pensons que les Colombiens peuvent aller dans le palais national avec le président. Nous songeons fait que ce dit nous que Dimitri déposait trois agents USP sur route là, USGPN sur route là.
agent USGPN ça yo, c'était pour dégager des informations sous Colombien. Qui ça Dimitri Erard et bien USGPN yo te besoin qu'on ait. Yo te besoin qu'on ait combien véhicules qui composaient flotte équipe nèg Colombien. Deux. Est-ce que c'est véritablement des étrangers oui? Est-ce que dans le militaire, il n'y a pas de monde noir? Trois. Combien de monde vous avez vraiment? Quatre. Quel type d'âme vous avez dans le monde? Ok? Trois USGPN, ça, c'est ça que vous avez gagné comme mission. Pour les gens qui ont posé cette question, pour qui ça, vous avez gagné avec ça? C'est comme si des nègres vous avez piégé. Nègre abdescend, yo rive, Colombie abdescend, yo rive tout près qui n'amène, yo ouè route la bloqué par pick-up USGPN. Et policiers haïtiens étaient en position de combat. Pas oublier, li nan zone 3 heures du matin, yo toujours. Entre temps, Dimitri Ra, prend téléphone, il continue après le président parce que nouvelle l'an mois pour qu'on rive. Et troupe là en bandition y a tonne. Après environ une trentaine de minutes, 30 minutes de blocage de route là, et Colombien y rete. Yo caché dans rigole à preuve nous songer nous té un live côté Caraïbes té montro gagné un colombien deux trois colombiens pendant Caraïbes on té le wayo avec zam nèg ça s'est bloqué ou té bloqué et avec zam yo dans route sous route là parce que on pas ca descendre et entre-temps Léon Charles DCPJ DCPA et les autres unités yo rivé Bokinam nan. Et pas oublier nous, ça me dit nous, faut suivre moi bien. Par raison en haut, relé Léon Charles. Léon Charles, t'es bon commissariat. Et c'est là sa par raison pour Albert Léon Charles, nouvelle. Pour l'annoncer que le président mourit. Puisque Léon Charles te bon côté nèg USGPN yo. Yo tendé nan téléphone nan, le Léon Charles dit "Cap! Kou maman! Président moui." Et Dimitri Erard avancé sous Léon Charles. Il mandé Léon Charles. Président moui. Léon Charles pas répondre ni il se coûte tête. Haïti, Haïti, débat. Yo te Bokinam nan. Tout de suite après nouvelle nan mon sa, USGPN déplacé l'al campé bo cabane choukoun nan. Li kite pot kinam nan, l'al campé bo cabane choukoun nan. Un peu plus bas. Histoire ça m'a expliqué non, l'a passé entre 2h50 et 3 heures du matin. Aux environs de 4 heures du matin, policiers qui campaient Pétionville, qui barraient la route là, ils entendaient une rafale de tirs nourris dans la zone côté colombien. Tirs nourris. Et deux minutes après la rafale là, il y a un monde qui a couru descendre. Suivez-moi bien, Walter. Gen yon moun kap kouri descend. C'est yon nan mam USGPN yo qui était sur route là. Non, monsieur, c'est Maryse George Wyclef. Monsieur, kouri. Pour tenter de sauver, d'après information que vous bail, monsieur arrivé en courant
sous barrage là. Pendant la courir, les Colombiens ont fait rafale d'elle. Monsieur prend balle dans hanche et monsieur vient tomber devant Negio. Les monsieur a couru. Kounia, comme monsieur prend balle, net USGPN qui était là, il a ramassé monsieur. Et pendant après ramasser monsieur, il y a un bus qui a passé. Nèg yo pointé zam sou bus la. Yo saisi clé machine nan nan men chauffeur a et yo mené policier a blessé nan l'hôpital. Et le policier arrivé nan l'hôpital, yo metel nan même chambre ak Martine. Donc pas blessé ça me dit nou, Martine t'est blessé par raison viré par mon et comment on a montagne noire pour le virer pour la descendre mener dans l'hôpital et policier blessé à mener dans l'hôpital là tout et c'est dans même l'hôpital ça que yo admis policier et c'est là ça nèg USGPN yo tout découvre Martine blessé parce que yo met policier dans même chambre avec Martine. Me devrais souligner pour nous à moins que ça m'a dit à fait kounia là Wyclef le policier blessé. Il n'y a pas de jambes opérées avec balle qui n'a ceinture là jusqu'à présent.